Il y a ceux qui ont un destin tout tracé, un bon alignement des planètes. Et puis il y a ceux qui doivent mettre leur volonté à l'épreuve. Antoine Orsigne appartient assurément à la seconde catégorie. Rien ne le prédestinait à une carrière universitaire, et pourtant, itinéraire d'un enfant de Corté, avec ou sans filtre. Voilà. Bienvenue dans votre vie, Antoine Orsigne. Votre vie qu'on va retracer à travers des photos, vous allez nous les raconter une par une. Là, c'est le premier lieu, c'est le lieu de l'enfance, des origines. Tout a commencé là. Et peut-être que tout a commencé même un petit peu là, non Antoine? Oui, ma grand-mère. Alors ma grand-mère, je dirais paternelle. Si, à Catalina. Catalina, à Vitellaia, c'était celle qui faisait les beignets. Elle a fait de nombreux mariages, un peu dans toute la Corse, donc elle était réputée pour ses beignets, Evrite le Gourtinaise. Voilà. Alors c'est, au-delà de ma grand-mère, c'était ma deuxième mère. Carrément, ma deuxième mère. C'est elle qui m'a élevé en même temps que ma mère. Hein. J'ai eu deux mères. Donc voilà pourquoi souvent, lorsqu'il y a eu le débat sur l'homosexualité et l'adoption, les gens qui ont dit deux femmes qui ont un enfant, je sais pas, moi j'ai eu deux mères. Oh, j'avais certes un père aussi, mais j'ai eu deux mères et ça m'a pas porté préjudice, bien au contraire. J'avais deux fois plus d'amour. Et puis j'ai envie de dire, oui, parce que l'amour ça se multiplie, ça se divise pas, bien sûr. Exact. Et puis surtout, c'est celle qui a cru en vous, qui vous a dit, oui, Vido, va-t'en. Voilà, c'est vrai qu'elle m'a dit, va faire ta carrière. Donc elle a cru en moi, alors que j'étais à 13 ans, je faisais le maçon avec mon père, donc j'aurais pu continuer dans le travail manuel que je continue de faire. Mais c'est vrai qu'elle a cru en moi. Les beignets salés, hein, bien sûr. Hein. Exact, la courtinaise. Vous avez parlé de votre père, maçon. Mon père, alors j'ai appris beaucoup de choses avec mon père. Pierre. Voilà. Pierre. Mon père Pierre et ma mère Pierra. Donc c'était assez étonnant. Pierre et Pierra, hein, je vais le dire avec l'accent corse, hein, mais Pierra si vous voulez. Alors mon père. Avant de vous apprendre des choses, votre papa, il a été muté. Enfin, il a travaillé en Afrique. Alors mon père a été. C'est une histoire assez sympa. Ouais. Il a été en Afrique du Nord, il a été policier. Mais il n'a pas pu rester. Il a démissionné au bout d'un an. Il n'a pas pu rester loin de ma mère, hein, loin de sa femme. C'est une belle histoire d'amour. Voilà. Et donc, il est rentré en Corse et il a été maçon, il a été artisan maçon. Parce qu'après, il a arrêté la police et il a vraiment fait le maçon. Un gros travailleur, votre papa. Gros travailleur, oui. Gros travailleur. Alors, un maçon qui faisait pas de grandes maisons. Hein, la seule maison qu'il ait faite, c'est la mienne, hein, je dirais. Mais donc, c'était quelqu'un qui travaillait bien la pierre. Moi, j'ai appris à travailler la pierre avec lui. Là aussi, quand une de mes filles architectes parle souvent de son grand-père en disant « Moi, j'ai vu mon grand-père travailler la pierre, c'est pour ça que j'aime la pierre. » Bon, après, ma fille a travaillé la pierre avec moi, hein, parce que moi, je dis toujours à mes collègues, mon premier métier, c'est maçon, puisqu'à 13 ans, je faisais de la maçonnerie. Et je disais toujours, par rapport aux études, la pelle, ça donne des cales aux mains, alors que le stylo, non. Donc, c'était pour dire, bon, il faut... Mais je n'ai pas perdu le sens de la maçonnerie et de la matière. Loin de là. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure de votre maman. Elle est là, votre maman? Ma mère avec moi. Pierra. Pouligani. Voilà, Pouligani, son nom de jeune fille, puisque mon père, Tralunchese et Orsini, Pouligani, donc ma mère toujours souriante jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une maman? Parce que les invités qui défilent ici, je vais vous dire quelque chose de curieux. À part dire, il y avait de l'amour avec ma mère. Et de la mère, c'est ça qui ressort toujours. Et là, c'est ce qui ressort sur cette photo. C'est clair. Ma mère était tout amour. Pour reparler de mon père, qui ne faisait pas beaucoup de compliments, quand je dis il ne faisait pas de compliments du tout, bon, il paraît que je suis un peu comme lui. Je ne fais pas facilement des compliments, que ce soit à mes enfants. Oui, lorsqu'il y a eu quelques beaux diplômes, je les serrais fort dans mes bras, dire « je suis fier de toi », mais je ne le dis pas tous les jours. Et là, je crois que je l'hérite de mon père. Mais je ne sais pas. Donc, j'avais le complément. Ce que ne me donnait pas mon père, qui m'a donné beaucoup, le complément, c'était ma mère. Allez, l'amour d'une mère, et puis l'éducation d'un père. Mais mon père m'aimait beaucoup. Hein. Lorsque je suis parti sur le continent faire mes études... N'en dites pas plus, on verra ça tout à l'heure, justement, la maladie du papa. Allez, venez, on va sur la photo à côté, passez par là, tiens. Allez, faites le tour, et on se retrouve à la photo suivante. Avec ma grande sœur, donc ma grande sœur Marika, on est sur la place Saint-Théophile à Corté. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Parce que vous n'êtes pas de n'importe où à Corté, vous.
je suis de la haute, c'est-à-dire de la haute ville. On se disait toujours de la haute, bon, vous avez compris. Et qu'est-ce que ça fait quand on est de la haute ville à Corté plutôt que de la basse ville? Qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, sur la haute ville, je suis quand même né dans Marika, ma sœur, comme ma mère a eu une grossesse difficile, elle est née à la maternité de l'hôpital de Corté. Donc elle est aussi née à Corté. Mais moi, je suis né dans l'immeuble que vous voyez en face. Hein. Bon, donc vous voyez, je suis vraiment de là-haut. Hein. Je suis comme les saumons, je remonte souvent à la source. Alors, la haute, alors on se disait de la haute ville, on avait l'impression que le cœur de Corté battait là-haut. Le cœur de Corté, les vrais Cortenais étaient là-haut. Alors qu'il y avait le quartier des Porrettes, alors on jouait au foot et on se bagarrait un peu. Voilà. Mais c'est vrai que la haute ville, c'est le village dans la ville. Allez, le village dans le gros village, hein, Corté, bon, ville universitaire, donc on va dire. Mais c'était le village dans la ville. Il y avait vraiment. Au sein de la haute ville, hein, et c'était sur quelques centaines de mètres, hein, ça n'allait pas plus loin. Il y avait une belle population, il y avait des filles aussi, non? Ah. Non? Oui, oui. Oui. En tout cas, il y en avait une au moins. Alors, il y en avait une. Il y en avait une qui venait. C'est jeune là. Hein. Il y en avait une qui venait chez sa grand-mère, qui habitait dans la haute ville, et voilà, donc ça fait 35 ans. Infirmière. Alors, infirmière. Ouais, ouais, ouais. Femme de ma vie. La femme de ma vie. Je lui dois tout. Oui, je lui dois tout. Je veux dire, quand moi j'étais étudiant, quand j'étais en doctorat, elle travaillait déjà. Donc on avait un petit studio, c'est elle qui payait le loyer, c'est pas moi. Moi j'avais une bourse 3 francs 6 sous, hein, juste pour manger de McDonald's, quoi. Donc c'était. Il n'y a pas le McDonald's, je pense. Mais vous l'avez dit justement, cinquième année doctorat. On va voir un petit peu comment ça s'est passé dans votre vie, où rien ne vous prédestinait finalement à faire des études. Comment, malgré tout, vous êtes allé faire des études, et c'est dans la pièce d'à côté que ça se passe. On va voir un petit peu comment vous êtes devenu hydrobiologiste que vous êtes aujourd'hui. Allez Antoine, asseyez-vous. Et donc, chose promise, chose due, on va retourner sur les bancs de l'école, si vous le voulez bien. Oh, il y a quelques années. Hein. Ouais. Oh, il y a quelques années. Vous êtes avec la casquette. Ouais. Le seul d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors, elle est importante, cette photo. Bon, on est à Corté, bien sûr. C'est que là, vous êtes bien intégré à tout le monde, sauf que à l'école, ça ne va pas trop. Et les instituteurs viennent voir vos parents en disant, votre fils, il n'est bon qu'à faire des travaux manuels. On n'a pas décelé un futur doctorant. Alors, j'étais presque réfractaire à l'école. Je dis bien presque, j'étais limite. Limite hors jeu. C'était sans déplaire à votre père d'ailleurs, parce que votre père ne vous poussait pas trop dans les études justement. Non, voilà. Mon père ne poussait pas, il pensait qu'en dehors du travail manuel, il n'y avait pas de salut. Que le travail intellectuel. Je pense qu'il avait dû être déçu, entendre parler un jour un intellectuel qu'il avait sûrement déçu. Voilà. Et donc, vous grandissez, et un jour en cours, vous croisez cette personne, la femme de la photo. Oui, la seule femme, donc c'était Michel Salotti. Alors Michel Salotti. On vous voit derrière, vous d'ailleurs, avec le regard exact, arrogant. Quoi. Michel exact. Salotti. Alors Michel Salotti, là je pense que c'était 84. Oui, imaginons que c'est avant cette photo. Hein. Donc Michel Salotti, avant cette photo, a été une de mes profs. Alors je ne vais pas dire une de mes profs, a été la prof qui a cru en moi d'abord. Et elle a cru en moi, mais c'était surtout d'abord une bonne prof. Ce n'était pas de croire en une personne. C'était une femme qui faisait un cours avec la science, mais aussi avec son cœur. Sauf que Michel, elle est professeure de biologie. Et ça, la rencontre avec la biologie, c'est quelque chose, effectivement, qui va changer votre vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette biologie? On a bien compris qu'elle fait cours avec son cœur, mais qu'est-ce qui vous plaît dès l'adolescence? Michel a été précurseur, au féminin, je ne sais pas si on dit précurseur, mais précurseur hein, de l'écologie. À l'époque où il n'y avait pas trop d'écologie, il n'y avait même pas du tout d'écologie dans les programmes au collège et au lycée, elle nous parlait déjà d'écologie. Et ça, ça a été pour moi une découverte et je suis devenu un passionné, bon, j'ai certes fait des études, mais je suis un passionné d'environnement avec un grand E et d'écologie aussi. Et avant d'être un passionné des études, il faut aller les faire ces études, Antoine. Et pour aller faire les études, à l'époque, il n'y a pas la fac à Corté, il faut partir sur le continent. Et là, il y a achoppement avec votre papa, parce que vous dites, papa, il faut que je parte faire des études. Et lui,
Il ne veut pas du tout. Il a peur. Il a peur. Pourquoi il ne veut pas que vous partiez ? Je ne sais pas. Il est resté un peu à l'ouz ou la Corse du début du 19e siècle, hein, ou du 20e siècle, 1900, on dira, où le Corse partait et revenait à la retraite. Pour lui, c'était partir sur le continent, c'était revenir 40 ans après une carrière. Donc ça, c'était un peu sa hantise. Et en fait, pour partir, je crois savoir que c'est votre maman qui envoie le dossier d'inscription en douce. Alors, moi, lorsque j'ai vu mon père contrarié, parce qu'après, il en était contrarié, pour malade. Pas dire mal, voilà, pour pas dire malade. Il en a quasiment fait une maladie au départ. Et donc, moi, quand j'ai vu que ça, je me souviens avoir jeté le dossier d'inscription dans la poubelle. Je ne l'avais pas déchiré, sinon j'aurais fait une autre carrière. Et c'est ma mère qui envoie le dossier d'inscription. Donc il fallait s'inscrire au Crous à Marseille et puis en DUCB à l'Université à Saint-Charles. Ben vous voilà en fac. Alors, je n'ai que cette photo de vous à cet âge-là. Je ne sais pas où vous êtes, là. Bon, voilà un peu le look. Période fac, effectivement. La période fac. Alors, cette doudoune, le souvenir que j'ai de cette doudoune, c'est que j'allais en cours et j'avais des carnets où je prenais mes cours à l'arrache, hein, et que je mettais dans ces poches, j'avais mes carnets, tous mes cours. Et lorsque j'avais un ami qui me demandait les cours, je lui donnais ces carnets qui étaient illisibles, c'était monstrueux. Voilà. Donc là aussi, je n'ai pas été bon dans la prise de cours. Mais bon, le résultat n'était pas mauvais. Mais voilà, exactement. Cette doudoune me rappelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pareil, vous faites un pacte avec votre père, vous partez, vous dites, bon, allez, si je ne réussis pas la première année, je rentre. Et puis vous réussissez la première année. Et puis systématiquement, ça a été de la négociation pour dire tant que je réussis, papa, je rentre pas. Ouais. C'est ça. Alors, c'est vrai que ça avait été le deal. Je tente une année. Je réussis pas, je rentre, je ferai autre chose. Voilà. Le deal, c'était ça. Parce que si, avec le recul, je l'avais dit, si en partant la première année, j'avais dit, écoute, je vais faire des études pendant 8 ans, hein, un doctorat, c'est pas plus 8. Si je l'avais dit à l'époque, il serait mort, je pense. Voilà. Petit à petit. Et là, voilà votre thèse, présentée par Antoine Orsini, écologie. Et alors, on va lire le titre, « Influence du couvert végétal du bassin versant sur les caractéristiques thermiques, chimiques et biologiques des cours d'eau de Corse ». Et grâce à cette thèse, eh bien, vous avez une place à l'Université de Corse. Et vous pouvez rentrer, justement, donner des cours à Corté, et assez rapidement, vous allez devenir médiatique. Et on va même vous écouter de temps à autre à la télévision. Regardez ce que ça donne à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, nombreuses sont les espèces endémiques. Donc des espèces propres à la Corse. Et nous avons en Corse le taux d'endémisme le plus élevé d'Europe. Et nous avons sur place, je dirais, un laboratoire naturel inégalé dans le monde. Voilà, ça c'est toute ma vie. Ma vie, elle est résumée dans ces photos. C'est vrai qu'il y a 4 espèces endémiques là. Vous savez, au milieu, lorsqu'on parle Hydropsyche cyrnotica, avec un nom comme ça, Cyrnotica, ça peut être qu'en Corse. Hein. À gauche, Protonemura corsicana. Bon, lorsque la personne qui a décrit cette espèce appelée corsicana, vous pouvez y aller. Hein. Là-haut, c'est Betis cyrneus. Bon, avec cyrneus, bon. Alors, c'est pas pour étaler du latin, mais c'est pour donner... Isoperla insularis. Ben, insularis, c'est endémique encore à la Corse. Donc la Corse, comme je le disais déjà en 95, et comme je le dis à mes étudiants depuis 86 à l'université, ça fait un bail, hein, j'ai commencé à enseigner en 86 à l'université, c'est le taux d'endémisme le plus élevé en Europe géographique, je dirais pas économique, hein, puisqu'il y a d'abord le Caucase. Et c'est en danger ça ? Votre Alors, vie, elle est en danger votre vie ? Aujourd'hui, voilà, c'est ce patrimoine naturel extraordinaire, il est en danger à cause de deux choses. Ah, j'aurais tendance à dire à cause d'une chose, mais vous allez voir la dichotomie. C'est l'anthropisation, c'est-à-dire les actions de l'homme. Mais les actions de l'homme peuvent être directes. Un barrage, une pollution, ça c'est direct. Et puis, cette anthropisation, l'impact de l'homme peut être indirect, c'est-à-dire les gaz à effet de serre et le réchauffement planétaire, hein, les dérèglements climatiques. Donc aujourd'hui, alors vous avez compris qu'à la base, c'est toujours l'homme, hein, qui a un pouvoir de destruction. Alors c'est vrai que ces espèces-là, elles peuvent vivre 5 millions d'années. L'espèce, hein, l'individu, il vit quelques mois. Hein, mais l'espèce, elle peut vivre 5 millions d'années. Aujourd'hui, on a la sixième extinction de masse qui s'annonce, mais ça va être à l'échelle de 100 ans. Il y a quelque chose peut-être encore plus désolant, c'est la diapositive suivante. Ah! Alors ça, vous savez, je dis souvent, moi je n'ai pas peur des grosses bestioles. Mais j'ai peur de ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas à l'œil nu.
Alors ça, ce ne sont pas des bestioles, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont même pas des végétaux, ce sont des cyanobactéries qui sont classées maintenant chez les bactéries, qui étaient classées il y a une vingtaine d'années chez les algues. Bon, on peut parler de micro-algues, mais bon, qui étaient classées chez les algues, mais qui étaient appelées algues bleues. Alors les cyanobactéries, aujourd'hui, c'est un problème mondial, c'est clair. Dans les rivières, il y en a très peu, sauf dans les rivières qui s'assèchent, je dirais, des zones qui se sont asséchées, mais on les trouve dans des plans d'eau, dans les retenues de barrages, et ça peut poser des problèmes. Alors, il y a des solutions, hein, c'est pas... Il y a des solutions, il y a d'abord la prise en compte du risque, en disant, pas de baignade, voilà, il faut mettre des panneaux. Partout, ça se fait, ça. Il y a des arrêtés... Partout ailleurs qu'en Corse, j'ai l'impression. Oui. Il y a des arrêtés préfectoraux. Ouais. Là aussi, il faut savoir que l'État ne joue pas son rôle. Mais pourquoi ? Aucune idée. D'accord. Aucune idée. Ça a été peut-être, je ne sais pas moi, c'était comme pour Tchernobyl, hein, ça a été peut-être comme le sang contaminé. Parce qu'effectivement, il y a des endroits aux États-Unis où il y a justement ce problème de cyanobactéries et où on voit baignade interdite, même pour les chiens. Hein. Exact. Donc baignade interdite, mais après, fréquenter la pêche, elle est interdite parce qu'on peut avoir un poisson qui est contaminé et que vous allez ramener à la maison, même si vous n'êtes pas baigné. Alors que chez ça ne suffit non. pas la baignade interdite. Non. Chez nous, non. Allez, on fait un retour chez vous encore, votre labo. Alors, avant que vous commentiez cette photo, on est dans votre labo à Corté. Je vais lire votre carte de visite que vous m'avez donnée. Donc aujourd'hui, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches, directeur du laboratoire d'hydrobiologie, administrateur de l'Office de l'environnement, président du conseil scientifique du parc naturel régional, président du conseil scientifique de la réserve naturelle. C'est incroyable, tous ces titres, malgré vos parents finalement, j'ai envie de dire, ou grâce à vos parents. Les deux. C'est vrai que grâce à ma mère, parce que c'est ma mère qui a repris dans la poubelle le dossier d'inscription. Hein. Elle a été fière, même mon père a été fier lorsque j'ai passé la thèse à Marseille. Ils ont fait le déplacement avec des produits corses, parce qu'après on a fait l'apéro dînatoire, et il était fier. Mais il était fier, mais il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit qu'il était fier. Voilà. Donc c'était tout le truc. Mais je sais qu'il était fier. Voilà. Donc, et aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, vous transmettez. Mais justement, ça ne s'arrête pas là. Votre vie ne s'arrête pas dans ce labo, justement. On va voir que vous faites encore d'autres choses, Antoine. Mais ce n'est pas dans cette pièce-là qu'on va en parler. C'est dans une pièce derrière. Allez, venez avec moi. De notre périple. Alors, entre cyanobactéries et bactéries, vous avez pris le temps de faire autre chose aussi dans la vie. je crois savoir, en tout cas. C'est les photos qui parlent d'elles-mêmes. Vous avez fait trois belles filles. Trois belles filles, c'est trois vrai. Filles. Donc, alors, elles datent un peu. Hein. Donc, et là, c'est les devoirs, d'ailleurs. Hein. Là, c'est les devoirs. Là, c'est la séance de devoirs. Vous les avez forcées qu'il y a une ou une. Ben, ouais, on a l'impression hein, qu'elle vit mal. Bon, elle a pourtant bien réussi, mais elles ont réussi toutes les trois. Bon, on va les regarder, justement. Vous allez un mot sur chaque fille, si vous le voulez bien. Ah, Alicia. Alors, c'est une passionnée, hein, sûrement comme son père. Comme une passionnée et une travailleuse, une grosse travailleuse. Manon. Ah, ça c'est Manon. Alors, c'est le garçon que j'ai pas eu. Hein. Elle tire du fusil, elle fait tout. Hein. Voilà, notre petite dernière qui a grandi. Et puis Sophie, on a bien compris que vous avez un bureau, vous. Là, vous avez votre laboratoire et votre bureau, c'est ici. Et elle vous accompagne, Sophie. Dans ces lacs, puisque dans les lacs d'altitude, on a mis en évidence une biodiversité, un patrimoine naturel intéressant. Mais il faut savoir que l'étude qu'on a menée, avec l'aide financière de l'Office de l'environnement, de l'Agence de l'eau, aboutit à la création d'une réserve, la réserve du Rotonde, une réserve régionale, la première réserve d'altitude. Donc, quelquefois, je dis souvent, j'ai prêché dans le désert. Ben là, non. Là, j'ai prêché sur une embarcation au milieu de l'eau et il y a des élus qui ont entendu. Alors, allons voir quand vous prêchez dans le désert, avec une preuve notamment de ça. Ça, c'est le lac de Bastagne. Et on peut voir que le lac de Bastagne, ça veut dire quoi, ça ? Alors là, ça veut dire que le niveau, il est très bas. Et on découvre maintenant au lac de Bastagne des plages de sable fin. Alors ce sable, il vient de l'érosion des roches qu'il y a au-dessus. Mais voilà ce qu'on a
que j'ai jamais vu depuis 30 ans. C'est quoi? C'est la preuve du réchauffement climatique? Alors, c'est la preuve chez nous encore. Voilà. C'est la preuve que même les lacs d'altitude, même quand on est à 2000 mètres, le niveau il baisse tellement parce qu'il y a de l'évaporation et parce qu'il y a eu moins de pluie. Ça n'a pas été le cas cette année, ça c'était l'an dernier. Mais voilà ce qui est flagrant et que les gens ont rarement vu. Oui, mais le réchauffement climatique, ça ne parle pas. Alors, si on parle concrètement, le réchauffement climatique, il y a la montée des eaux. Vous avez des chiffres, vous donnez des chiffres en Corse. Et pourtant, ça ne fait pas réagir. Les chiffres, un chiffre terrible. Terrible. Parce que 2014, le dernier rapport du GIEC parlait de 80 cm à 1 mètre. Il y a eu une publication dans Nature et dans Science au mois de juillet 2018 qui parle de 6 mètres. Donc, ça veut dire que les 1 mètre, on pourrait les avoir en 2050. Mais il faut savoir qu'en 2050, à 1 mètre, on n'atterrit plus à l'aéroport d'Ajaccio. 1 mètre de montée des eaux. 1 mètre de montée des eaux. On n'atterrit plus à Ajaccio ou à Bastia. Est-ce que demain, la Corse peut se passer de ces deux aéroports majeurs? Bon, on ira tous à Calvi, mais ça va faire des embouteillages. Hein. Bon, donc ça, c'est un vrai problème de société. Mais il faut prendre les mesures maintenant. On ne déplace pas un aéroport comme ça, deux aéroports internationaux. Voilà. Le cordon lagunaire de la Marane, avec un mètre, il est coupé de la terre. Et ça, c'est sûr, c'est garanti. Ça, c'est, en 2050, malheureusement, c'est sûr. Voilà. Vous savez, les rapports du GIEC, en 20 ans, on a vu que les scénarios qui étaient les plus favorables n'existent plus. Les scénarios catastrophes sont devenus réels. Et il y a pire que ça. Ça, c'est une montée. Globalement, la Méditerranée monte de 4 mm par an. Alors qu'elle montait de 1 mm il y a 50 ou 60 ans. Là, c'est 4 mm tous les ans. Mais ce n'est pas ça, c'est aujourd'hui l'amplitude des vagues. Aujourd'hui, en Corse, on peut avoir des vagues de 9 mètres. Regardez, en 10 ans, le quai des Martyrs à Bastia. Il n'avait jamais, de mémoire de Bastia, il n'y avait jamais eu ce genre de... Et puis, il y a des digues, hein. C'était passé au-dessus de la digue. Donc, ce qu'on va avoir aujourd'hui sur les côtes, c'est ce problème-là. Donc, aujourd'hui, quand on entend discuter du problème de revoir la loi littorale, pouvoir aménager le littoral, il faudra s'écarter. Moi, je milite pour une bande de 300 mètres. Et je pense que ce n'est pas bon, 300 mètres. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est le minimum. Allez, écran suivant, si vous le voulez bien. Parce que vous ne restez pas qu'en Corse, vous avez la bougeotte aussi, mais la bougeotte pour des choses nobles. Ah, alors c'est vrai qu'on fait des actions dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, alors il y a toujours une base scientifique, hein. Moi je suis un scientifique, je ne suis pas un doux rêveur, parfois je rêve un peu, mais on a des actions humanitaires, alors là c'est avec des Vietnamiens qui ont des problèmes de qualité d'eau. L'arsenic. Et là, c'est l'arsenic dans le delta du Mékong. Vous leur apprenez des choses et ils vous apprennent aussi des choses. Je crois savoir qu'en matière de traitement des déchets, les Vietnamiens, ils auraient des leçons à nous donner. C'est clair. En quelques mots. C'est clair. Vraiment. C'est clair. Moi, j'ai vu récupérer la petite feuille d'aluminium qu'il y a sur les médicaments. Et il y a quelqu'un qui vient chez vous, hein, là, le porte-à-porte, ça existe, c'est le vrai porte-à-porte. On vient chez vous, vous donnez un petit sachet, on vous donne trois ou quatre dongles. Voilà. Le lendemain, on donne un autre... Et donc, il y a peu d'ordures ménagères. On ne voit pas de gros camions, il n'y a pas de dépôt. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, moi, quand j'y vais, ce n'est pas pour donner la leçon, c'est pour échanger sur de la technique. Et on apprend souvent des choses. Ça, c'est au Vietnam, et puis vous allez là aussi. Alors, ça, c'est en plein désert. Alors, vous savez, là, on était sur des problèmes toujours de qualité d'eau, parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a 5000 enfants qui meurent par jour d'une consommation d'eau de mauvaise qualité. 5000 enfants par jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs de l'université de Corte qui vont dans le monde apporter leur savoir. Exact. Parce que quand vous vous déplacez, vous êtes l'université de Corte. Exact. Voilà, ça, c'est quand même important. Dernier écran. J'allais dire pas le moindre, oh, c'est vous qui allez en juger. Oh là là. C'est la politique. Ça remonte. Alors, c'est pas de la politique. Luc, je ne peux pas vous laisser dire que je suis un homme politique. Non, je suis un élu, mais je ne suis pas. Mais encore aujourd'hui, voilà. Là, vous étiez dans l'opposition. Là. Tout à fait. Là, j'étais jeune élu dans l'opposition. Bon, c'était sympathique dans l'opposition. Hein, on ne faisait rien à part critiquer un peu. Mais voilà, entre-temps, ça a changé. Voilà. Mais pourquoi surtout pas de politique? Parce qu'on a plus de pouvoir quand on est plus politique. Au lieu de dire constamment les politiques agissaient, ben, pourquoi vous ne prenez pas vous la chose où vous pourriez? Prenons l'exemple de Nicolas Hulot, qui connaît quand même l'environnement. Et regardez, il n'a pas pu s'y faire. Pourtant, avec théoriquement un président de la République ouvert, jeune et ouvert. Donc, vous avez plus de pouvoir aujourd'hui en étant resté à l'université qu'en rejoignant... Ah non, je pense que je n'ai pas beaucoup de pouvoir.
Sinon, le monde y tournerait mieux, ou du moins en tout cas la Corse. Je vais commencer par la Corse, égoïstement. Hein. Je ne veux pas révolutionner la planète. Demain, si on nous écoute un peu sur l'eau, on ne serait pas là où on est. Hein. Donc, j'ai prêché déjà auprès de tous les exécutifs. Eh bien, il va falloir continuer, je pense. Merci. Avant de se quitter, vous savez, il y a une tradition dans l'émission, c'est de faire un selfie que vous mettrez sur votre compte Facebook, d'ailleurs, où vous marquez un petit peu. Hein, tout ce que vous me racontez là, vous le détaillez sur Facebook. Hein, on vous suit. Allez, souriez. Souriez, Antoine. Voilà. C'était un plaisir. Comme partagez, d'habitude. Comme d'habitude. Partagez. À bientôt. Merci. Tout simplement, merci du côté de Corté. Invité. Non, je vous en prie. C'est tout naturel. Merci. Allez, à bientôt, Antoine. C'est par là. Thank you.